Les obligations de l'employeur consécutives au licenciement. Comme dans tous les autres cas de rupture de contrat de travail, l'employeur a des obligations à respecter. Tout d'abord, il doit remettre un certain nombre de documents aux salariés, comme nous l'avons vu dans le chapitre précédent. Certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation pour l'emploi, bulletin de salaire et paiement, bien évidemment, ainsi que l'information quant à la portabilité des droits. L'employeur devra également respecter un préavis de licenciement. La loi prévoit un préavis d'un mois pour les salariés ayant entre 6 mois et 2 ans d'ancienneté, et un préavis de 2 mois pour les salariés ayant plus de 2 ans d'ancienneté. Toutefois, un grand nombre de conventions collectives ou encore d'accords d'entreprise prévoient des durées différentes, notamment par exemple pour les agents de maîtrise et les cadres. L'employeur devra également respecter un certain nombre d'indemnités. Indemnités compensatrices de congés payés, comme pour tous les contrats, et comme pour tous les types de ruptures. Indemnité compensatrice de préavis, si le salarié licencié bénéficie d'un préavis, donc sauf en cas de faute grave et de faute lourde. Et enfin, l'indemnité de licenciement. Le congé de reclassement. Tout salarié se voit proposer un congé de reclassement dès l'instant où il est licencié économique. Deux types de congés de reclassement existent. Tout d'abord, le contrat de sécurisation professionnelle pour les entreprises jusqu'à 1000 salariés et le congé de reclassement pour les entreprises au-delà de 1000 salariés. Je vous laisse regarder dans le tableau ci-dessous les différentes particularités de ces deux types de congés. Vous constaterez que si le contrat de sécurisation professionnelle est beaucoup plus avantageux en termes pécuniaires, il est souvent moins bien réalisé que le congé de reclassement, car ce dernier va généralement être fait par le biais de cabinets spécialisés, qui donc seront, on va dire, plus efficaces que Pôle emploi. Enfin, dernier point, l'indemnité de licenciement. Tout salarié licencié économique a droit à une indemnité de licenciement. Deux types d'indemnités, l'indemnité légale, l'indemnité conventionnelle, que nous verrons dans un prochain chapitre.